Ouais, si, on a le droit, on a le droit. On est actuellement en reportage avec Christophe aux manettes là pour un petit dépannage. Alors Léo, donne-nous tes impressions Léo. Ouais, c'est pas incroyable. Hein. C'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable, c'est, chance, c'est pas idéal. Hein, c'était pas génial ta manœuvre. Hein. Ah, pas idéal la manœuvre. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Ah oui, on commence à voir le site. L'étendue des dégâts. L'étendue des dégâts, ouais. Alors, j'avais l'impression comme ça de prime abord qu'en fait il était ressorti tout seul du fossé. Mais non. Ça, c'est trompeur. Bon, il est quand même. Il est en plongée quand même. Là, je suis en train de la mer. Ah ouais, il n'y a pas d'autre solution. Il faut tirer par l'arrière. Il faut que tu te dépasses là, tu passes la buse. Bah, ici là. Et on va, tu vas te mettre un peu plus loin sur le fossé. On va tirer un max de longueur, je pense. Pour être bien. Hein ? Voilà. Bah, là, tu te mets. Tu te mets face à lui. Et après, tu recules et on déroulera du câble. Ben voilà, mission accomplie. Hein. Super. 30 secondes l'opération, ouais, pas plus. Hein, c'était pas mal, hein, ça Léo. 30 secondes. Ben en fait, moi je vous fais essayer le matériel, je suis quelqu'un de bien. Bah ben voilà. Oui, c'est sûr, là, regarde-moi ça. Je me mets en difficulté pour faire tester le matériel. Un super travail, un super wrangler, un super pote. Et un wrangler qui est sauvé. Ben, c'est bien Léo. Ouais.